Salut tout le monde, ici Ben Lannes avec une petite vidéo sur ma Sega Saturn. Je l'ai achetée dernièrement, puis ma console elle ne sauvegarde pas mes parties, puis à chaque fois que je la reset, il faut que je rentre la date et l'heure, fait que c'est un petit peu tannant. Fait que c'est vraiment très simple, il faut seulement que je change la batterie interne, puis tant qu'à le faire, je vais décider de vous le montrer en même temps. Fait que tout ce que ça prend là, c'est une batterie de remplacement. J'en ai une ici, c'est une CR2032, c'est une batterie 3 volts au lithium. Donc ça se trouve un petit peu partout là, dans les épiceries ou le magasin d'électronique. Fait que ça prend aucun outil. Ce que ça prend, c'est la batterie. Fait qu'on prend notre console ici, on la revire, puis en arrière, il y a une petite porte. Fait qu'on ouvre ça. Puis on voit la batterie qui est juste ici. Fait que c'est facile pour la retirer. Il faut pousser dessus en levant. Puis on est capable de retirer la batterie. Puis on place la nouvelle de la même façon. Et voilà. Fait qu'on remet la porte. Voilà. Puis maintenant la console devrait sauvegarder les parties. Et j'aurai plus besoin de rentrer la date et l'heure à chaque fois que j'ouvre la console. Fait que merci tout le monde d'avoir visionné. Puis j'espère que ça a pu aider quelqu'un d'entre vous.